Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous revoir sur Nyan's Reborn. Nous vous rappelons que nous avons plusieurs chaînes, c'est Nyan's Reborn 1, Nyan's Reborn 2 et Nyan's Reborn 3. Vous pouvez tout simplement vous abonner et nous suivre. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et cette vidéo que nous allons traiter là maintenant va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur la vie et sur des trucs vraiment graves qui se passent dans notre monde. C'est le témoin d'un ex-sataniste qui s'appelle Paul Kalemba. Ce témoin se trouve en ce moment même sur Nyan's Reborn. Vous pouvez regarder ce témoin très puissant qui se trouve là. Et le jeudi prochain viendra un autre témoin très puissant rien que pour vous. Dans ce témoin de cet ex-sataniste ou cet ex-sortier, il a tout simplement dit que dans son expérience, il a eu à entrer en contact avec un jeune homme. Cet homme-là, il allait à l'école, il était étudiant. Et cet homme voulait avoir beaucoup d'argent. En un mot, il voulait devenir riche. Et il est venu le voir. En ce moment-là, lui, il était comme un féticheur. Quand cet homme est venu le voir, il a dit à ce petit que pour devenir riche, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen là, c'est le moyen le plus connu. C'est le moyen où on travaille à la sueur de son front et on obtient la richesse, on obtient l'argent, tout ce qu'il faut. Mais il y a un autre moyen là qui vient maintenant du monde mystique, encore du monde de Satan. Et là, il y a deux façons d'obtenir de l'argent dans ce type-là, ou encore venant du monde des ténèbres, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est lorsqu'on tue quelqu'un et on utilise son esprit pour générer de l'argent. Ça veut dire que la personne que vous avez tuée là, vous allez utiliser l'étoile de la personne pour vous enrichir. Ça veut dire que l'esprit de la personne sera quelque part enfermé dans le monde des ténèbres là-bas. Et par des prières mystiques, vous allez, c'est pas, crier de l'argent. Ça veut dire que l'argent va venir. C'est comme ça se passe chez eux. Ce sont eux qui connaissent ça. Ah! Et il y a un autre moyen encore pour avoir de l'argent, c'est le moyen par lequel on obtient de l'argent. On vous donne de l'argent, on fait une invocation et l'argent arrive. Mais vous devez dépenser cet argent-là dans un délai bien déterminé. Et si vous voulez avoir de l'argent venant du monde des ténèbres, eux, ils recommandent que vous fassiez des sacrifices humains pour pouvoir avoir cet argent ici. Vous pourrez tout simplement réaliser. Sinon, l'autre méthode pour avoir de l'argent, par invocation, d'abord ils font et puis l'argent veut systématiquement, c'est périodique. Là, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Vous pouvez tout simplement vous amuser, aller en boîte, toutes ces histoires. Mes frères et sœurs, ici déjà, nous venons de comprendre qu'il y a trois moyens d'avoir de l'argent. Le premier, c'est le moyen le bon moyen. Là où on travaille à la sueur de son front, ça veut dire que là, ça vient de Dieu.
Et l'autre méthode là qui vient du diable là, dans le monde des ténèbres, il y a deux méthodes qui apparaissent en général. Et on vient de vous expliquer ces deux méthodes qui sont encore des méthodes les plus mauvaises. Et l'enfant était maintenant, ou encore le jeune était face maintenant à un choix. Il devait choisir une de ces méthodes là. Il dit que franchement, par la science de son foi et de son intelligence, c'est bien, il fait ça, mais ça, l'argent ne vient pas vite. Et que lui, il veut plutôt le troisième moyen, c'est-à-dire le moyen où on fait une vocation, l'argent vient, tu peux dépenser l'argent dans un délai. Il dit, ah bon, d'accord, puisque c'est ce que tu veux, on va te l'accorder. Pendant qu'il était en train de parler avec cet homme mystique, ou encore ce sataniste, voici que ce sataniste a fait une invocation, et lors de cette invocation-là, ou encore lors de ce rituel-là, un démon est apparu, mais le jeune ne pouvait pas voir ce démon-là pour le moment. Quand ce démon-là est apparu, là, ce démon-là lui a dit à ce monsieur qu'il faut lui dire que la méthode qu'il vient de choisir, là, ça a des conditions. Dès que l'argent vient, et qu'il ne dépense pas l'argent là, en tout cas si quand 18h, quand minuit passe et qu'il a encore cet argent là sur lui, qu'il n'a pas fini de dépenser cet argent, nous allons venir prendre son âme et partir avec dans notre monde. Ça veut dire qu'il va mourir. Il faut que tu lui dises cela, il y a des conséquences graves à la suite de cela. Pendant que ce demande là parlait là, l'enfant ne voyait pas, nous l'avons dit. Et cet homme là, cet sataniste a répété les mêmes choses à cet enfant. Et l'enfant a dit, il n'y a pas de souci, si c'est pour dépenser là, je sais comment je vais m'arranger et dépenser l'argent là à temps. Mes frères et sœurs, quand le diable vous propose de tels trucs là, vous pensez que le diable il réfléchit pas? Il faut vous tendre un piège à un moment donné. Vous pensez que c'est facile? Avec votre intelligence, vous pensez que vous allez le duper, vous-même vous allez penser que vous allez être épanoui avec une richesse qui vient du diable? Jamais! Ce n'est pas possible! Le diable ne rend pas heureux et ça va se justifier dans la suite des événements. Voici que cet enfant-là, ou encore cet homme, ce jeune homme, va se mettre à utiliser cet argent-là. Tous les jours, il va utiliser cet argent. Il va même faire beaucoup de trucs, faire la java, faire beaucoup de bruit dans son quartier. Et tout le quartier entend parler de lui. Il a loué des véhicules. Et les véhicules-là, il les utilise pour faire ses shows, comme on peut le dire. Et il jette de l'argent partout au maquis, dans la boîte de nuit. Et tous ceux qui se trouvent là-bas en ce moment-là, eux, ils se disent que cet homme, il a réussi. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir comme eux, comme lui. Certains me veulent le voir pour lui demander, mais comment tu fais pour avoir tout cet argent? Il dit, oh, je travaille dur, je fais des affaires, je suis un homme d'affaires. Mais ne leur dis pas ce qu'il fait. Il a plein de copines. Même il donne de l'argent à ses copines là. Et tous les parents du quartier qui ont leurs enfants qui se trouvent même à la maison, qui sont en train de travailler dur pour avoir leur argent là. Faut voir les parents en train de parler mal à l'enfant. Ils disent, voici un autre enfant de ta catégorie qui a réussi, qui a beaucoup d'argent. Toi, tu es là ici. Fais comme lui. Va lui demander comment il fait. Et ils se mettent à l'envier, même insulter leur enfant. Sans savoir que cet homme en question là, il a signé un pacte. C'est pourquoi il a cet argent là. Et cet argent là, c'est pas de l'argent, c'est pas bon argent, c'est pas bon. C'est pas bon. Mes frères et sœurs, si vous êtes envieux, là, vous allez faire attention. Si vous aimez la vie et que vous aimez avoir de l'argent bien au-delà de ce que l'on peut penser pour vous amuser, ici, vous allez vraiment faire attention parce que dans la vie, là, il y a des dangers. Quand on aime trop l'argent, on risque de rencontrer trop de problèmes. Voici que cet enfant-là, ce jeune, va rencontrer un problème.
Vous savez que il doit dépenser l'argent là à temps, avant minuit. Voici que 23 heures arrive, l'argent là, ça ne finit pas, ça s'augmente. Au lieu de diminuer là, comme d'habitude, l'argent là, ça ne fait que augmenter au point où, dans la maison où il était là, le sac dans lequel se trouvait l'argent là, c'est-à-dire ça débordait le sac. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'argent a rempli la maison au point où ça sortait maintenant. C'est incroyable. L'enfant l'a vu que là il y a danger. Donc il faut courir, il faut chercher les hommes de Dieu. On ne sait pas quelle intelligence il a eu ce jour-là. Et il a pensé comme ça à voir les vrais hommes de Dieu. Et Dieu merci. Il est tombé sur un vrai homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que le Dieu t'a dû lui poser des questions là. Minuit est arrivé, les démons sont en même temps apparus là-bas. Mais comme l'homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu, les démons ne pouvaient pas entrer chez lui. Il y a un feu dévorant qui entourait sa maison. Sa maison était protégée, donc les démons se tenaient à distance comme ça, comme les voitures qui sont là-bas là. Et puis, il disait à cet enfant-là, viens ici, t'as signé un pacte avec nous, viens. Là, en ce moment-là, l'enfant-là qui ne voyait pas ces démons-là pouvait maintenant les voir. Ses yeux étaient maintenant ouverts et il voyait maintenant ces démons. Fou le fou en train de crier, homme de Dieu, pardon, je vais rester chez toi ici, je les vois, ils sont là-bas, ils vont me tuer. Ah! Mes frères et sœurs, il y a plein de personnes qui vont dire dans la partie commentaire, tu racontes des histoires. Ce n'est même pas mon histoire pour commencer. C'est un témoignage, c'est tout Seigneur Scrubon, d'un ex-sataniste. Vous allez dire, ah bon, peut-être qu'il ment. Il y a des trucs réels dans ce monde, il y a des trucs qui dépassent le commun du mortel. La magie, vous n'allez pas me dire que la magie, ça n'existe pas. Le diable, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé que le diable existe. Les démons, vous ne savez pas, mais vous n'allez pas me dire que les démons n'existent pas. Vous n'allez pas me dire que le vent là, ça n'existait pas. Expliquez-moi comment ça se fait que le vent vous touche sans que vous le voyez. Le vent vous touche comme ça. Il y a de l'air. Vous-même vous respirez l'air là. Mais vous ne savez pas qui il est, à quoi il ressemble. Est-ce que vous pouvez le toucher? Il y a des choses vraiment graves dans ce monde. C'est un mystère. Le monde dans lequel nous nous trouvons là est un monde compliqué. Excusez-moi. Si Dieu n'est pas avec vous, comment vous allez faire? Se livrer à la facilité là, c'est dangereux. Ça nous expose à de grands dangers. Voici que cet enfant maintenant est là, ou encore ce jeune, elle est en train de souffrir là-bas. Heureusement qu'il est tombé sur un vrai homme de Dieu. Ah! Il dit qu'il ne veut plus sortir de la maison de l'homme de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'il s'est mis à se confesser et expliquer ce qui s'est passé, comment il a commencé à avoir de l'argent et tout ce qu'il a fait. Il est resté chez cet homme de Dieu là pendant plus de 7 jours. Il ne voulait pas sortir, il est resté enfermé, il ne sort pas. Mes frères et sœurs, si vous étiez à la place de cet homme, de ce jeune homme, quel serait votre choix? Que feriez-vous? Quel serait le conseil que vous donneriez à cet enfant ou encore à ce jeune? Mes frères et sœurs, si vous aimez l'argent, c'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent va vous conduire à des problèmes. Parce que si l'ennemi, le diable, sait que vous aimez l'argent plus que Dieu, il va vous tendre un piège par l'argent. C'est comme ça se passe. Et quand vous-même, vous décidez de rentrer dans le piège du diable, ou encore, vous décidez d'entrer dans son domaine en demandant à avoir l'argent facile, vous serez dans des problèmes à cause de cela. Surtout, aller rentrer en contact avec les féticheurs, ça va vous exposer à des problèmes que nous délamènent de ce que nous venons de raconter. Imaginez si ce jeune était mort dans ça. Qu'est-ce qui allait se passer? Même ici, nous avons encore nos témoignages. Il y a un homme chez nous ici, on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais il est devenu riche. Il est devenu tout à coup riche, on ne sait pas.
Et il a commencé à organiser des concerts. Au cours de ce concert-là, il allait là-bas avec des valises remplies d'argent et il se mettait à acheter l'argent là partout. Tout le monde parlait de lui. Il a même sorti une chanson. Et ils ont un groupe musical. Ils sont devenus des artistes, à mettre des artistes, des stars. On entend parler de partout. Mais à un moment donné, vers la fin, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, vous savez ce qui s'est passé? Il a suscité l'aide de tous ses fans. Il demande de l'argent maintenant aux gens. Toi, tu avais de l'argent comme ça, beaucoup d'argent dans les valises. Là. Dans quel coup tu nous demandes de l'argent à nous qui travaillons à la suite de nos fonds? C'est incroyable. Il y a des mystères dans ce monde. Si vous voulez vous vous préparer à faire de telles pattes pour la richesse, je vous en prie, ne faites pas cela. Travaillez dur, c'est dur, la vie est dure, les choses sont difficiles. Nous-mêmes, en ce moment où nous parlons là, nous sommes sous le soleil. Voilà, c'est ça, travailler dur. Mais il y a une récompense dedans. Quand vous travaillez et que vous allez plus loin sur ce chemin, Dieu bénit votre travail et vos enfants en bénéficient. C'est ça la règle du jeu. Il n'y a pas mille chemins. Il n'y a pas mille chemins. C'est le bon et le meilleur chemin que nous vous présentons aujourd'hui. Que Dieu lui-même vous accompagne dans toutes les dimensions. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Si on vous en prie, faites attention à votre vie. Faites attention à votre vie. C'est pourquoi Agnès Rebonne est née. Abonnez-vous. Abonnez-vous également sur Agnès Rebonne. Toutes les chaînes, toutes autres chaînes. Agnès Rebonne. Agnès Rebonne 1. Agnès Rebonne 2. Agnès Rebonne 3. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.